Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer c'était quel logiciel pour filmer mon écran. Donc déjà vous allez vous rendre sur le Play Store. Play Store. Voilà, Play Store. Tu tapes, enfin on tape Mobizen. Mobizen, voilà Mobizen. Donc Mobizen pour Samsung qui est juste ici. Et si vous ne le trouvez pas parce que ce n'est pas un Samsung, eh bien, vous devez télécharger CaptureAid. Quand vous l'avez, bah, vous devez compte ou alors connectez votre compte. Bref, dès que vous tapez dans la barre de recherche Toy 424, vous cliquez sur les trois petits points, vous faites télécharger. Après, il vous demande download, vous faites toujours. Ensuite, dès que c'est fait, vous faites ça. Vous cliquez dessus. Ouais, attendez, je vais au moins vous montrer. Allez, je suis gentil. Donc, si vous trouvez les Samsung, vous tapez CaptureAid sur la barre de recherche. Vous l'installez. Moi, je vais faire comme ça, c'est beaucoup plus rapide. De manière, de toute façon, on a le téléchargement qui se finit très rapidement. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment pas de souci avec ça, il est vraiment très rapide. Et là, ce qui s'appelle VeChaRed. Oh, CaptureAid Pro, c'est quoi ça? Ce n'est pas le vrai ForChaRed, mais bon. Voilà, installation de CaptureAid réussie. Donc, vous allez l'ouvrir. Ensuite, quand vous l'avez, ça va vous mettre un petit écran comme ça. Donc vous, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur inscription. Moi, comme j'ai un compte, je vais me connecter. Donc je me connecte et je vous reprends. Donc voilà, je me suis connecté là. Donc là, vous attendez. Un petit peu. Bon, si c'est trop long, je coupe la vidéo. Ah non, ça va. Donc vous taperez Aptoide. Aptoide. Oui, c'est pas grave. Aptoide. 4.2.4. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points. Vous faites télécharger. Vous faites toujours. Donc voilà, Aptoide il se télécharge. Donc c'est vraiment pas très long. Vous avez juste à faire ça, à cliquer dessus. Vous descendez, installer. Et que je vais aller charger mon GSM. Mais vous inquiétez pas, je continue la vidéo. C'est juste que voilà. Aïe. Voilà, donc dès que l'application est installée, vous faites ouvrir. Vous faites annuler. Ensuite là, vous allez chercher Mobizen. Mobizen for Samsung. Next. Voilà, Mobizen for Samsung. Vous cliquez sur Search More. Vous faites avec Chrome, parce qu'avec Internet, ça va pas marcher. Donc Chrome. Donc là, c'est un exemple. Hein. Mais moi, je vais pas le faire vu que je l'ai déjà. Et là, vous avez le Mobizen pour Samsung, le premier. Vous avez juste à cliquer dessus, à faire install. Vous faites OK. Ensuite, dès que vous avez fait OK pour l'install, il vous demande le dépôt, vous faites annuler. Ensuite, vous faites ça, vous cliquez sur l'application.
Ouais, vous cliquez sur l'application, vous descendez, vous faites installer. Dès que c'est fait, vous faites ouvrir. Et si vous voulez voir comment ça marche, allez voir sur la chaîne de Mathis Arnould. C'est gratuit. Donc je poste cette vidéo sur YouTube et après je laisse mon GSM tranquille. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis bye bye.